presque 20% de terminé déjà. Eh ben. Ouais, bah c'est reparti. Donc du coup, en 6 lives grand max, je le termine. Je pense en 5. Si je traîne pas trop, c'est faisable. Non. Non, c'est pas le monde. Alerte. Réserve d'énergie en veille. Chargement inopérant. Ah, artefact. Un journal de service. Valet Dietz. Le CMS Crozière a été déployé aujourd'hui pour tenter de percer les nuages. Lors de ce premier vol, l'équipage a pu observer une étrange formation montagneuse au centre d'un cratère. Le lieutenant Metcalf a réussi à photographier plusieurs obélisques recouverts de neige près du sommet. Leur disposition, était pour le moins chaotique, ce qui n'a rien d'étonnant pour une planète au climat si violent. Cela étant, ils sont tous de forme et de taille identiques. Le lieutenant Bubsy a été pris de maux de tête et de troubles oculaires pendant le vol. Enregistrement. En attente de décélération. Ok, Edward, tiens-toi prêt. Bien reçu, Val. Une fois sur la passerelle, moi, commandant. Comme tu veux, chérie. Sortie des propulseurs. Oh, Pascal. Croisière est finie. Merci d'avoir voyagé sur le Terra Nova. Voici le trou du cul de l'univers. Ok, tout le monde, on se met au travail. Sekovski, saluez l'amiral. Kettle, contactez le berceau. C'est à vous de jouer. On déploie les vaisseaux. Terminé. Cadence de tir plus 1. Message. Un début de transcription. Lieutenant Sam Kettle, l'amiral Graves demande le transfert du spécimen de la planète CMS Crozière et CMS Franklin en route. C'est quoi ce bordel? C'est pas le zoo ici. Commandant Valérie Dietz. Transfert confirmé. Désolé Sam, j'ai les mains liées. Assurons-nous simplement que ce truc reste confiné. Reconfirmez bien la quarantaine. Fin de transcription. Transcription ou transmission? Je pense que c'était transmission. Ah non, fin de transcription. Je pensais... j'avais pas bugué. Ah mais ça a été repris ça? Ah je m'en rappelais pas. C'est Isaac. Notre navette se trouve à l'arrière du vaisseau. Je vais mettre nos traceurs à jour. Dites-moi seulement si elle pourra nous emmener. Si on arrive à la remettre en état. D'après les analyses, c'est un vrai tas de ferraille.
On peut la faire voler, pas vrai? C'est la plus grande case de l'espace ici. Je vais la réparer. Ouais, ouais. Ça va le faire. Je me rappelle pas qu'il y avait un cadavre il y a deux secondes là. Voilà qui va poser problème. On peut pas y jouer? Oh merde! Moi aussi je vais faire une partie de Star Blaster. Moi j'aime bien quand il y a des mini-jeux dans les jeux. Ça bloc moteur hydraulique. Ah putain, j'ai pas de place. Ça m'énerve de laisser les trucs derrière. Hyper généreux avec les blocs des trucs de soins, je trouve. Ça je peux le prendre, ça il n'y a pas de problème. Les matériaux, ça je peux prendre. C'est le reste qui pose problème. Plus de matériaux, je dirais pas non. C'est quoi ce truc? Vieux méca charognard. Ça pourrait être utile. Un méca charognard? Ah, c'est pas un truc qui va aller appuyer sur en haut pour puis en haut sur maintenez L, LT et suivez le radar, maintenez RT pour déployer. Ah oui, ça, je crois que ça va. C'est
Ça se trouve, c'est ça le bruit en fait. Quand ça fait ce bruit, en fait, faut utiliser le méca charognard. Ah putain, d'accord. Le méca trouvera des ressources qu'il apportera à l'établi. Ah ouais, le coquin. C'est là que je l'écrase le truc. Allez, hop, pute, méca charognard. Allez, au revoir. D'accord, donc il va falloir que je retourne sur les lieux précédents alors. Bon. C'est vraiment parce que je suis un lutteur shooté, sinon. Et coucou héros. Tiens, j'ai une question pour toi héros. Parce que j'ai parlé à Fun Fan un peu cet après-midi, t'es un peu fatigué. Je me dis, est-ce que vous feriez pas des rendez-vous au Macumba sans moi? Non, parce que ça va pas trop le faire. Hein. J'aime pas me sentir exclu. J'aime pas beaucoup ça. J'espère au moins que vous avez serré, hein, parce que... Hein, y a rien de mieux que pouvoir serrer avec après une chenille. Alors là... Ça, c'est la botte secrète, ça. Une petite chenille, et puis voilà, c'est... Oh, voilà. On a un peu les mains baladeuses, et puis... Aïe, aïe, aïe. Putain, j'ai toujours pas de place. Ouais, j'ai pu jouer un peu Subnautica ce matin, du coup. Franchement, l'application Remote Play, alors autant pour PS4, c'est la grosse taupe. Franchement, ça déconne de ouf. Mais alors autant PS5, je trouve que c'est quand même plus stable. Ah, comme ça, si je veux jouer à la PS5 sans avoir la télé, ben, moi je peux. Franchement, pour PS5, c'est un peu mieux foutu quand même. Moi quand je me réveille quoi. Mon café. Non, c'est pas vrai. Je parle pas le matin. Pour être honnête. Je ne parle pas du tout. Muet comme une tombe. Ah, moi si je suis pas réveillé, faut pas me parler.
Sous peine de représailles. Ah! Je me rappelle ce truc. Oh. Ah, putain! Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas utiliser mes armes, c'est quoi ce jeu de merde? Ah, je sais pas ce qu'il avait ce gros connard là. Faut pas chercher, hein, les électrons par moment, c'est tout. Va te faire... Mais nique ta mère là, putain, c'est bon là. Mais tire. Ah, mais c'est quoi cet enculé là? Putain, c'est bon là, tu vas arriver à mettre ton doigt sur la gâchette ou t'es handicapé là, connard? Putain, c'est pas vrai ça là. Putain, ça fait à peine 20 minutes que je joue, il me casse déjà les couilles là, Isaac. Prudy, putain, ça fait 3 heures que je tire là, gros con là, gros débile. Et Coco qui pulse. J'ai trop joué à Overwatch. Ah ouais, putain, j'accroche sur nom. J'ai jamais joué à Overwatch et ça me tente vraiment pas. J'avoue que. Un message, mais apparemment, je crois pas. Est-ce que c'était ça? Je pense que c'était ça, oui. Une début de transcription. Caporal Charles Sekoski. Sam, vous devez voir ça. Cette image vient de Tim Kaufman sur la planète. Est-ce que c'est ce que je crois? Qu'est-ce qui vous prend? La patronne va être furieuse si elle vous prend en train de divulguer des informations confidentielles. Vous pensez qu'on est venu jusqu'ici pour ça? Restez en dehors de ça, Sekoski. Croyez-moi, moins vous en saurez, mieux ce sera. Fin de transcription. Un peu de sel pour me remettre les idées en place. Ah bah t'aurais dû passer hier. J'étais bien salé hier aussi sur Subnautica. Ah j'avoue que le jeu m'a vraiment saoulé. Hein. Mais je crois que c'était vraiment plus de la fatigue qu'autre chose. Limite presque jusqu'à 11h j'ai joué. Putain. Je pense que c'était la fatigue qui parlait. Et aussi j'avais un peu peur de me faire tuer quoi. Parce que bon. Quand tu joues en extrême. Ah il suffit que là je me fasse tuer. Putain, je pense que là je le prendrai hyper mal. Franchement vu comment je me débrouille. Putain. Il manquerait plus que j'ai une mort con. D'ailleurs, je suis revenu à l'endroit où il y avait le serpent crabe, je crois qu'ils appellent comme ça. Dans les champignons roses, du coup, j'ai pu finir de fouiller ce que j'avais à fouiller. Et puis bon, je sais pas s'il faudra que je revienne. De toute façon, j'y reviendrai, je pense, récupérer de la magnétite. J'en ai profité pour en récupérer un petit peu plus. Et puis. Je sais plus par contre si j'en ai profité pour les scanner eux. Faudra que je les scanne. Mais ouais. Je vais te donner le même conseil que donnent les fumeurs aux adultes. Ne commence jamais, la vie est trop belle. Ah ouais, non, mais de toute façon, Overwatch. Même si je devais être payé pour que j'y joue, j'y jouerais pas. Moi, il me tente vraiment pas. Ça, c'est comme Call of, c'est des maps hyper petites. On se tombe dessus en même pas 30 secondes. Moi, ça m'intéresse pas. J'aime bien explorer un peu la map, genre, faut remarquer, Apex t'explore un petit peu quand même, on peut pas dire qu'on explore pas, parce qu'il y a quand même de une part d'exploration. Oh mais pourquoi t'as, oh mais qu'il est con, putain j'aurais pas dû les ramasser, j'aurais fait essayage, bon. Oh putain mais qu'il est con celui-là, c'est pas possible. Il y avait un truc d'essayage à côté là, putain.
Ça m'aurait évité de gaspiller des soins. C'est pas grave. C'est pas grave. Sans vu le nombre de soins qu'on arrive à trouver en 5 minutes, franchement, ça va. Je pense pas qu'on va être... Oh mon dieu, j'ai des codecs de Xbox Live. Oh mon dieu. La fatigue c'est mortel, ça j'avoue que c'est vrai que en général il faut pas que je joue quand je suis fatigué parce que ça dépend des jeux. Mais puis bon, avec la fatigue j'ai la langue qui fourche assez facilement on va dire. Donc il suffit qu'un gars, il a dit le mot interdit, il va faire toute une polémique là sur BFMTV. Allez, on va augmenter quand même la santé. Allez, voilà. Ah, il va falloir du tungstène, j'en ai pas. Le niveau d'air. Franchement, on a 4 minutes d'air de base, ça suffit largement. On n'est pas dans Dress Edge là ou dans Prey là. Donc franchement, ça va. J'ai vu pire. Par contre, ouais, la défense, ça serait pas mal. La stase. La durée de la stase. Ah, la durée de la stase. Ouh, oui, ça. Ça me sera utile. Je trouve que la stase, ouais, dure vraiment pas longtemps. Télékinésie. La portée, ouais. Si je peux interagir avec les objets de plus loin, j'avoue que les dommages, ça en s'en branle, mais... Bon, j'espère par contre que c'est pris en compte pour en général quoi, de façon générale. J'espère que c'est pas juste pour cette tenue parce que sinon là ce sera comme si j'ai gaspillé mes trucs là. Souvent le truc qui arrive, on oublie de remonter à la surface et bim, mort. Bon. Ah ouais, non mais t'as vu l'autre jour, ça a failli arriver en plus hein, près de l'Aurora. Putain, alors là l'écran était presque noir hein. J'ai eu du cul. Ah, pour le coup, j'ai eu du cul parce que. Mais d'un autre côté, ça m'aurait arrangé, j'aurais perdu. Puis comme ça, j'aurais dit, ouais, ça dégage, allez, hop, je désinstalle et termine. Je recommence pas. De toute façon, Subnautica, ouais, c'est en mode extrême, je le recommencerai pas. Hein. Je meurs, je m'en fous, je le désinstalle. Je vais pas me prendre le bourrichon là. Attends, on est déjà au mois de mars, d'ici le mois de mai, il reste encore 2 mois, après, je vais pas me prendre la tête avec ça. Hein. Ah ça, oui. Ah ça je connais aussi, ça j'avoue que... Ah, la seconde de trop sur les écrans de chargement. Alors, et puis en plus, il suffit que le jeu il en soit bourré. Alors là. Alors là. Ça, je me rappelle, c'était The Last of Us sur PS3, quoi. Oh, l'écran de chargement. Bon, il y en avait qu'un. Hein. C'est le temps de mettre ta partie, après t'as plus d'écran de chargement. Mais le temps que ça arrivait. Oh là là là. C'était horrible. Ah, c'était pire que The Witcher 3. Hein. Putain, The Witcher 3 sur PS4, wow. Quand ça charge la partie, faut pas être pressé. Mais de toute façon, rien n'est pire que Ouya Pifu. Ouya Pifu, on en a vu la preuve. Hein.
écran de chargement random. Hein. C'est. Non. Là, franchement, c'est le pire jeu pour ça. Écran de chargement par milliers. Puis hein, pour rien en plus. Alors. Ouais, ça, c'est les trucs que j'ai récupérés. Alors, méca charognard de retour. Ah ouais. Cadence de tir. Cadence de tir. Peut-être pour le plasma. Ah non, plasma, il est déjà plein. Mais il en a déjà un cadence de tir. Bon, peut-être une nouvelle arme, peut-être fabriquer. Par contre, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une armature lourde. De télémètre, un outil de forage qui tire des projectiles en acier trempé. Je pense que c'est le truc que j'ai, non? Découpeur plasma. Ben ouais, mais attends, mais pourquoi j'ai pas... Ah, c'est marrant ça. Ah, bah là, il y a le rapporteur. Et ce système, autant ça a l'air pas mal, mais le problème c'est que ça manque de clarté quand même. J'avoue que moi je comprends rien. C'est quand même mal expliqué ce système là. C'est dommage hein, parce que. Ah, mais d'accord, ça m'a tout remis à zéro. C'est dommage que ce soit vraiment mal expliqué. Peut-être faire une autre arme, peut-être. Ah, je sais pas. Mais remarque, de toute façon, non, je crois que en fait, on a trois qu'à deux armes en fait. Vu que la flèche du haut c'est pour le méca charognard, j'imagine qu'il doit y avoir un autre truc pour. Kit de télémesure. Ouais. Enfin, pour moi, c'est un peu le même style que la carabine, quoi. Enfin, c'est la même chose. Un bloc moteur hydraulique, un outil qui amplifie la force physique de l'utilisateur. Ouais. Ouais, non, mais on oublie. Ça a l'air trop compliqué. Je vais pas me casser la tête. Alors, du coup, ouais, si j'ai deux armes maximum, ouais, le choix de l'arme là. Ça va me plaire ça. J'ai horreur de faire des. Je tire avec juste deux armes. Ça, j'ai horreur de ça. J'aime bien avoir le choix. Ça sent la baston, ça. Ouais.
Charge et un dégât. Charge et un dégât. Je sais pas si ça prend en compte là du coup ici. Si je mets l'amélioration là, est-ce que ça va. Ça prend en compte la recharge, mais ça prend pas en compte, on dirait, le niveau de dégâts. Alors du coup, je vais peut-être mettre à la place de chargeur. Ah non, ça prend pas en compte. Ah merde. Bon. Ah c'est con. C'est un peu mal foutu leur truc là. Si on n'entend pas le bruit bizarre, à mon avis c'est pas la peine de larguer le mec à charognard. Je pense que c'est pas la peine. Un peu de place. Je pensais qu'il fallait le toucher ça. Alors ça c'est quoi? Appeler tram. Ah bah oui. Ah, faut genre tenir la position, j'imagine. Allez, collision de tram détectée. Veuillez vous adresser au berceau pour éliminer cette obstruction. Ah. Les gars, il y a quelque chose qui bloque le tram. Le berceau n'est plus très loin. Les voies sont visibles d'ici. Merci, Buckle. J'irai voir ça. J'ai vu qu'ils ont ajouté récemment sur le Game Pass un jeu de... d'exploration et de construction... un peu à No Man's Sky, là, ça s'appelle Space Engineer. Mais... genre de plus près, je suis... Ça a pas l'air fifou leur truc là. Mais j'aimerais bien moi qu'un jeu comme No Man's Sky où on pourrait vraiment gérer un équipage quoi. En coop. Pouvoir piloter un énorme vaisseau. Ça, j'aimerais bien. Mmh.
Moi, je trouve que c'est un peu ça qui manque à No Man's Sky. C'est un peu un objectif commun, on va dire. Je trouve que c'est un peu ça qui manque. Après, j'ai pas fait l'histoire de No Man's Sky, mais ça a l'air un peu vite quand même, l'histoire. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être moi. Hein. J'ai peut-être rien compris, hein, mais ça a l'air d'être un peu comme Ark, quoi. C'est un peu. Non, parce que les vaisseaux, bon, c'est quand même une place, quoi, les vaisseaux. Enfin, je veux dire, pourquoi on pourrait pas piloter des vaisseaux un poil plus gros? Où chaque joueur pourrait avoir un poste spécifique. Genre Albator dans l'Arcadia, quoi. C'est l'Arcadia, quoi. Ça serait ça. Hein. Un jeu que j'aimerais bien voir, ce serait un jeu comme ça, quoi. Commandant, vous êtes là? Si vous pensez aux caissons d'hypersommeil, oubliez. D'hypersommeil? Plutôt des cercueils, dites. Des soldats sont morts de froid sur cette planète et nous les transportons. Vous m'expliquez? Je n'ai pas le droit d'en parler. Allez, Valérie, vous me devez bien ça. Écoutez, je n'en sais pas plus que vous. Ce sont les mineurs. Ils les ont envoyés dans ce trou paumé et... Et ils sont revenus avec quelque chose. Bon, ok, mais qu'est-ce que... Mad n'est jamais loin derrière moi. Bon, mais ça va mal se finir. C'est moi qui vous le dis. Ah ouais, t'avais fini l'histoire principale, l'histoire du jeu. Ah ouais. Un peu comme ça, et la quête de son trésor n'aurait peut-être. Hein. Oh putain. Ah ouais. Oh putain. Ah ouais, c'est ça, c'est un peu triste. Hein. Après, on n'est okay. Pas là. Je vois où est le problème. Quelqu'un a laissé du matériel sur les voies. Et tu peux le virer? Je dois pouvoir faire ça. Il faut bien qu'on atteigne la poupe d'une façon ou d'une autre. Après, rien nous indique que, qu'un de ces joueurs, ils vont pas faire une véritable histoire. Hein. Enfin, je sais pas. Marco, s'ils devaient faire une histoire, ça aurait été fait depuis longtemps. Ça fait presque 10 ans qu'il est sorti le jeu. Journal perso, lieutenant Kettle. Les colonies sont en guerre et on envoie toute une flotte au milieu de nulle part. Juste pour trouver de vulgaires cailloux. Qu'est-ce que ça veut dire? On cherche une arme secrète? Ils nous envoient des trucs bizarres tous les jours. Des artefacts, des prélèvements et des cadavres. J'en ai marre de toutes ces cachotteries. Je vais en parler à Diet. Très bien. Propulsion orientée compacte. Ça, honnêtement, franchement, le système d'établi de Dead Space 3, j'y comprends alors rien du tout. C'est vraiment mal expliqué. Ça, par exemple, c'est mal expliqué. Je sais pas ce qu'ils veulent faire. En plus, je peux même pas sentir du truc. Ah, d'accord. J'ai rien compris. C'est vraiment pas clair.
Ça, c'est mal fait. Ça, je comprends rien. Là, pour le coup... En plus, alors ça, le pire, je peux même pas en sortir. Donc déjà, ça, c'est complètement con. Ah, il faut que ça rentre dans le rectangle, d'accord. Bah non, de toute façon, tout rentre dans le rectangle. Non, c'est complètement con. C'est du Tetris, mais très mal fait. Hyper mal expliqué. Enfin, il y en a certains, ça va, mais d'autres, putain, on voit rien, quoi. Celui-là, par exemple, pour moi, c'est pas clair. Je vois pas... J'arrive pas à distinguer les formes. C'est complètement débile. Ah, celui-là il est habillé. Il y a un truc là sur avant. Pourquoi quelque chose me dit que ça va en sortir? Alerte. Problème dans la baie 4. Faille de sécurité. Hein? Anomalie biologique détectée. Soyez prudents. Obstacle écarté. Reprise progressive du trafic. Ça, c'est quoi, pièce détachée? À ramener à l'établi pour utiliser le contenu. D'accord. Ok. Fabrication. Je vais voir un truc avec le rapporteur. Si je le change à la place de... Ah, d'accord, je vois pas le truc. Ah voilà, propulsion compacte orientée. Propulsion orientée compacte. Créer un rayon plasma rapide. Portée moyenne, précision moyenne. Je perds en puissance, mais je gagne en capacité, en chargeur et en cadence de tir. Si je peux tirer un peu plus vite, moi ça me va. Quand est-ce qu'il faut que je refasse... Non. Ah mais je peux débloquer si je veux. Ah ouais. Oh, on verra plus tard ça. Je peux pas trop me prendre la tête avec ça pour l'instant. Ah oui, mais attends. Oui, mais attends. Putain, il fait peur le casque. Putain, lui, quand il te dit qu'il y a presque plus de batterie, il te le fait bien comprendre. Créer un rayon plasma rapide. Oui. Enfin, ce qu'il dit pas, c'est que ça fait pas... C'est que ça perd pas de...
Donc là, du coup, ça fait un point à la place de faire un trait, limite. Enfin, c'est pas un trait, c'est plus 3 points, je crois. Ouais, c'est 3 points, et puis là, ça m'a foutu sur un point. Pour un impact, donc c'est pas génial. Donc je préfère garder cet angle. Ouais. On va sortir. Edwards, tu peux venir au berceau? J'ai besoin d'aide pour les caissons d'hypersommeil. Hey, Tuck. T'es là? Oh, ta gueule, Sam. Je suis payé pour transporter vos culs, pas pour les torcher à l'arrivée. T'es qu'un pauvre type, Tucker. Tu le sais, ça? Laisse tomber. Tous mes ancêtres étaient des gros fainéants, Sam. C'est à Sekovski que tu devrais demander un coup de main. Le merdeux ferait tout pour impressionner le commandant. C'est pas vrai. C'est une mission collective, Tucker. Un de ces jours, il va falloir que tu penses aux autres. Ouais, un de ces jours, Sam. Mais pas aujourd'hui. Mmh. Les gars, si vous n'avez plus de munitions, utilisez la télékinésie. Tenez, j'ai trouvé ce message quand j'étais bloqué sur la Méduse. Ouais, je me rappelle. Ok. Vous qui regardez ça, écoutez-moi bien. Vous pouvez récupérer les membres coupants par kinésie pour ensuite les retourner contre eux. Regardez. Regardez bien. Ça fait 3 heures que je survis comme ça. Vous voyez? Retournez-les contre eux. Je me rappelle de ce message. Hein? Artefact. Un journal de service, commandant Valéry Thiès. Le CMS Croisière a rapporté de nouveaux artefacts de la planète. Je me suis permis de demander à l'amiral Graves quels étaient les protocoles de stockage, mais elle a levé les yeux au ciel. J'ai donc ordonné de les entreposer dans la soute du Terra Nova. Mmh. Très bien. C'est moi ou c'est un peu bruyant quand même. Ah bah tiens. Oh, celui qui crève pas celui-là. Il est incroyable celui-là, je crois. Oh merde! Il peut se régénérer! Tu vas pas pouvoir le tuer! Pas moi! Putain, ça lui fait rien. La vache!
faire quoi là? Ah oui. Oh putain. M'attarder parce que c'est qu'ils puissent me foutre sur la table. Oh putain! Voilà, tiens. T'en as pour un petit moment. Allez, on se casse de là. Donne rien ce bâtard. Oh putain. Arrivée imminente du tram. Veuillez patienter. Là ils sont deux. Merde, je déteste ces trucs. Tu m'étonnes. Ok. Je suis arrivé au tram. On dirait qu'il dessert les stations du centre et de la poupe. La navette est à la station de la poupe. Et la station centre? C'est celle du centre opérationnel. Voilà qui est intéressant. D'après des registres, de nombreuses ressources ont été retirées de l'entrepôt par un certain lieutenant Tucker Edwards. Allez, jetez un œil. Ouais. Si je les retrouve, je vous fais signe. Terminé. Vous arrivez au centre opérationnel. Du coup, ça va être un truc optionnel, ça, ou c'est dans l'histoire? Du matos, dispersion conique. Ouais. Clé centre opérationnel. D'accord. Je suis désolée, Tucker. Mais tu as entendu Mad? Le scénario de type 5 est en vigueur. Ah, c'est optionnel. Tu vas devoir mourir. Comme nous tous. Sinon,
Ils enverront quelqu'un pour finir le travail. Arrête, Valérie. Baisse ton arme. Désolée. Ils sont pas à savoir. Je suis désolée. Pas autant que moi, commandant. Et si un seul de ces fachos essaie de venir me chercher, il le regrettera. J'ai pas trop compris là. Voilà. Je vais mettre ça dans le coffre. Je vais mettre un petit peu de côté. Alors moi, ce que j'ai récupéré, c'est... je sais même plus. Dispersion conique. Produit un fusil fiable. Ça veut dire quoi, en gros? Portée faible, précision faible. Non, en gros, je crée un pompe, quoi. Si je comprends bien. Je peux créer un pompe. Ouais. Peut-être là-dessus. J'avoue que je sais pas. Je pense que je vais laisser comme ça en attendant. Parce que pour le coup, après, si je fais un pompe, mon trancheur, limite en dessous, il sert plus à rien. Au moins qu'avec la carabine, au moins je peux tirer avec précision sans gaspiller trop de munitions. Pour les petits projets, pour les petites merdouilles là. Donc on va rester comme ça, je pense que c'est le mieux. Je vous vois. Vous avez été assez malin pour encore la petite fermeture. Ça veut dire que vous ne faites pas partie de l'armée de larbin du général. Mais avant que vous vous tapiez dans le dos pour vous féliciter, dites-vous que c'est que le début. Votre journée est loin d'être finie. J'avoue que je n'ai pas vu venir là, cette petite embuscade de merde là. Attends que je te tombe dessus. Tous ces soldats infectés, ils comptaient en faire des chiens de garde. Vous pensez peut-être pouvoir me coller une balle, mais j'ai une petite armée qui pense le contraire.
Ça sent la grosse baston. Hein. Je retiens. On va s'amuser un peu. Ordinateur, les explosifs. Et c'est parti. Alerte. Contamination détectée. Activation de la quarantaine. Mais non! Ah, quelle bonne idée de mettre une échelle, hein! Détecte une quarantaine! Tout va bien, Isaac? Non, pas du tout! J'ai coincé! Il doit y avoir des commandes d'annulation! Parfait! Je vais les chercher si je ne me fais pas découper avant! Putain, cette caméra de merde! Mon dieu, on dirait que ça a été coté par un babouin! Putain, mais... Ils étaient vraiment mauvais à l'époque, hein, en termes de caméra. On va s'amuser un peu. Ordinateur, la vache. Les explosifs. Et c'est parti. Alerte. Contamination détectée. Activation de la quarantaine. Détecte une quarantaine. Tout va bien, Isaac? Non, pas du tout. J'ai coincé. Il doit y avoir des commandes d'annulation. Parfait. Je vais les chercher si je ne me fais pas découper avant. Ça tue rien, son truc, c'est dingue. Oh, il y a un truc qui charge là, non? Mais je vois rien quand je tire là. Putain, mais je vois rien. Putain, c'est bien les yeux d'horreur que ça se passe dans le noir. Hein. Eh oui. Putain, on a autant d'imagination qu'un enfant de 2 ans, quoi. Je retiens. Connard. On va s'amuser un peu. Ordinateur. Faut forcément que les jeux d'horreur, ça se passe forcément dans le noir. Putain, mais. C'est parti. Oh, le manque d'imagination, quoi. Le manque... putain, la prudie. Alerte. Contamination détectée. Activation de la quarantaine. Je t'ai touché, paniquez ta main. Tout va bien, Isaac? Non, pas du tout. J'ai coincé. Il doit y avoir des commandes d'annulation. Parfait. Je vais les chercher si je ne me fais pas découper avant. Mais recharge, putain. Alerte. Oh, mais quel mongolien, ce mec. Activation de la quarantaine. C'est vraiment un mongolien, Isaac. Je comprends rien à rien. Bon, ça suffit maintenant, là, c'est bon. Oh là là, mais ça s'arrête pas, hein, quel jeu de merde. C'est nul. Mon dieu, que c'est nul. Alerte. Contamination détectée. Activation de la quarantaine. Mais ta gueule. Ah, il faut que je trifouine ça. Qu'est-ce que c'est nul. Oh putain, moi ça me gonfle hein, quand t'as autant d'ennemis hein, comme ça, avec des armes de merde comme ça. Franchement, Dead Space, c'est un jeu où c'est des armes, c'est vraiment de la merde. Annulation acceptée. Mal adapté. Quarantaine levée. Veuillez en informer votre supérieur hiérarchique. On est vraiment mal équipé dans ce jeu. Vamos.
Pourquoi il y a la musique, il y a rien. Mon Dieu. Ah. Ça réagit là. Vous avez l'air d'aimer tirer sur tout ce qui bouge. Bien. Mais tout votre arsenal ne vous sera d'aucune aide. On ne tue pas le courant. Putain, toi, quand je te tomber dessus, putain, tu vas voir les choses dégueulasses que je vais te faire. Putain. Ah, ça sera tout sauf catholique, hein, je te le garantis. Hein. Même mort, je te garantis que tu vas me servir encore. Mais regarde-moi ces armes de merde, là, ça tombe bien, ça c'est de la merde. Ça a été acheté à Noz, ça c'est de la merde. Ça c'est des joints plastiques, ça c'est pas des armes. Ça tue rien, ça c'est nul, c'est nul, putain, c'est nul. Putain, au moins dans le premier, dans le deux, au moins on avait des vrais flingues, ça c'est de la merde. Puis là, encore putain d'accessoires de mes couilles là qui servent encore moins. Là, c'est Dead Space version Nerf Modulus quoi, putain, niquez vos nerfs. Edwards a installé des pièges électriques. Ça ressemble à du travail artisanal à courte portée. Des pièges, hein? Les commandes ne doivent pas être loin. Si vous les trouvez... Je leur tire dessus. Bien. Compris. Mais en plus, ça m'aide aussi qui est fait. Va te faire foutre. Putain. J'en tire dessus, ça leur fait rien quoi. Vraiment un jeu de con celui-là. Putain. C'était bien au début, mais maintenant ça devient de la merde. Moi je préférais buter des gens. Voilà. Au moins je gaspille pas beaucoup. Je préfère buter les unitologues que les nécromorphes. Quitte à buter de la saloperie. Hein. Autant buter celle qui sert à rien. Ah, c'est un ascenseur ça, putain, j'ai même pas fait gaffe. Oh. Ah, il est bien fait ce jeu. Edwards a installé des pièges électriques. Ça ressemble à un travail artisanal à courte portée. Des pièges, hein? Les commandes ne doivent pas. Bah, ta gueule. Allez, tu loupes cette putain de. Mais franchement. Mais va tirer un coup, ça ira mieux. Là. Putain, sors-toi les deux du cul là. Il m'agace à pas faire ce que je dis. Putain, c'est vraiment agaçant. Oh, manette déconnectée. Génial. Ça fait à peine 5 minutes que le truc il m'a affiché que la batterie était faible. Non, mais c'est batterie, c'est vraiment de la merde. Ah, bah c'est bien, les sous-marques. Hein. Ah oui, c'est moins cher. Hein. Putain, mais bravo, Micromania. Hein. Putain, ça, pour vendre des trucs de qualité, vous êtes là. Hein. Ça. Merci, Micromania. Putain, je vais vous en faire de la pub, moi.
putain de vendeur de savates là, putain. Bon, celui-là, elle était censée être faible, normalement, celle-là, mais apparemment, elle a de la batterie, maintenant. Peut-être que j'ai dû mettre... Ça se trouve, j'ai mis une amélioration. Chargeur solaire sur cette manette. Sauf qu'elle est dans le tiroir, à longueur de journée. Et, à savoir, c'est peut-être ça, hein. Peut-être un chargeur solaire, et puis... Moi, ce qui serait bien, c'est qu'un jour, il y a un système de chargement de batterie. En fait, elle se charge suivant le niveau de sel. Autant dire qu'avec moi, elles vont jamais se décharger. Ah, les fils de votre planète sont faibles. Oh putain. Toi, t'as envie que je pète une crise d'or à rallonge. Patrie de merde. En tout cas, j'espère que le lithium contenu dedans vient pas de chez nous, hein, parce que... Hein ? Qualité française, sinon, là... Hein ? Voilà, voilà. Je dis ça, je dis rien. Putain, dire que je suis obligé de charger la manette à même pas 30 minutes de la fin. Je vais me casser les couilles à charger mes manettes, quoi. En plus, j'aime pas jouer avec les manettes pendant qu'elles chargent. Parce que ça les abîme encore plus, les batteries. Normalement, il faut les laisser au repos. Mais bon, pas chaud, hein. En plus, il y a le casque à falloir charger. Putain, autant dire que là... Je me demande combien de temps ça tiendrait si c'était des batteries officielles. Je sais pas si ça serait mieux. Ça, j'emmène avec moi. Eh non, mais tu te réveilles là. Ah, je sais pas ce qu'il a, Isaac, mais ça déconne. Oh le bâtard. Il a fait semblant d'être mort. Connard. Il m'en reste beaucoup des kits de soins. Ah oui, non, juste. Déclencher un pic de consommation du contrôle environnemental. Son énergie doit venir de là. Vous n'êtes pas loin du contrôle environnemental. Je vous envoie les coordonnées. Mmh.
Au fait, j'ai laissé mon... Ouais, j'ai laissé le robot. Je m'en rappelais plus. Attends, je crois que j'ai des pièces à mettre. Ou des améliorations, je sais pas. Enfin, effectivement, ça peut me débarrasser. Voilà, une recharge plus un chargeur. J'entends un truc. Ah, c'est bon pour le méca charognard ça. Oh, c'est quoi ce tarmec? Ça lui a rien fait. Ça ressemble à un bug là. Il aura dû être affecté. Oh putain, le jeu qui est même pas fair play quoi. Ça, ça craint. Là, franchement, ça craint. Le jeu qui est même pas fair play avec toi quoi. Ah putain. Il me faut une dinabar. Aïe aïe aïe, je sais même pas s'il me reste du tungstène. Je suis pas sûr. Non c'est pas moi. Je suis même pas sûr qu'il m'en reste. Ah si c'est bon. Ouf. Mais par contre le méca charognard, c'est très bien qu'il rentre de suite. Parce que j'ai encore un coin à lui faire explorer là. Donc ce serait bien qu'il se magne. Un rapporteur. Une recharge, une cadence de tir. Ah, du tungstène. Ah, mes cacharonnières en attente à l'établi. Attends. Je vais aller le voir. Et je vais le redéployer. D'accord, maintenant, ouais, je comprends maintenant ces bruits. En fait, c'est pour le méca charognard, en fait. Pour dire, voilà, là, il y a un truc à... Un truc à prendre. Alors. Ce qui me rapporte pas mal de trucs. Allez. Hop. Là, le trancheur il tue. Non, parce que des fois, limite, s'il passe à travers les trucs, ça leur fait rien. Et des fois, ça tue.
là 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 là, ça sent l'arène, ça, quoi. Oh, bordel de merde. Ça devient lourd, là. Là, ça devient vraiment lourd. Journal de service, commandant Valérie Diaz. Les conditions climatiques obligent souvent les équipes à travailler de nuit. Tout le monde doit se sentir prêt en cas de départ de navette vers ou depuis les sites de forage. Depuis que nous avons rapporté les premiers artefacts à bord, nous pouvons sentir une certaine tension parmi l'équipage. Plusieurs membres sont allés à l'infirmerie pour traiter maux de tête et perte de concentration. Pour ne rien arranger et en dépit des ordres, je pense que l'équipage a obtenu des informations sur nos chargements auprès d'autres membres du personnel. Ces rumeurs ne font qu'empirer les choses et je ne tolérerai pas ces comportements sur mon vaisseau. Mmh. Ah, non, je plaisante pas, vous savez. Je peux pas vous laisser venir à l'environnemental. Je veux pas mourir. Désolé. Ordinateur, armez les explosifs. Et c'est parti. À la prochaine. Alerte. Contamination détectée. Activation de la quarantaine. Mais tire ! Oh là là. Mais qui est nul ce mec? Oh putain. Alerte. Contamination détectée. Activation de la quarantaine. Il y en a trop. C'est nul. Putain, est-ce que c'est nul? Ils sont trop nombreux, c'est pas logique. Putain, c'est quoi cette merde? Alerte. Contamination détectée. Activation de la quarantaine. C'est quoi ça? Je comprends rien. J'aime bien quand c'est pas expliqué. J'adore. Y'a rien d'expliqué, c'est genre... Ah, tu sens que oui, c'est vraiment le jeu bâclé. On sent pas les couilles de notre jeu, c'est... On arrête. Alerte. Contamination détectée. Activation de la quarantaine. Accepté. Quarantaine levée. Veuillez en informer votre supérieur hiérarchique. Vraiment insupportable ce jeu. C'est... Vraiment insupportable. Y a plein de trucs, mais en fait, le jeu t'explique que dalle. Ça tend à ce que tu devines tout seul. On se croirait dans The Witness, quoi. Ouais, bah, va te faire foutre...
je peux pas deviner ce qu'il faut faire, hein. J'ai pas fait le jeu, hein, donc à un moment donné faut pas être débile quoi, faut se mettre un peu à la place du joueur quoi. Mais ouais, mais ça c'est trop demandé ça, la part d'IA Games, hein, bande de bâtards. Ouais, alors faire la 40e extension des Sims 4 pour ajouter une merde en plus pour 40 balles, ça y a du monde. Par contre, pour expliquer un petit tuto de merde, même pas d'une ligne ou deux, putain, mais vous sortirez pas les doigts du cul, hein, putain, mais... Il a bien détourné l'énergie de l'environnemental. Vous pouvez intervenir ? Non, désolé. Vous allez devoir trouver un moyen de déconnecter le générateur vous-même. Ça va bien trop vite. Aucune visibilité. Vous pouvez le ralentir ? Je vais essayer. Bon, fais voir ce message, c'est quoi ? Parce que du coup, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. C'est... Putain. Est-ce que c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça. J'ai vu Thiès dans mes cauchemars. Je me sens vide, mais je respire, c'est tout ce qui compte, non ? Générateur multi-alimenté pour plaque de gravité supposée. Piège, ok. Combien de temps dois-je attendre ? Venez me chercher. À retrouver son niveau. Qu'est-ce qui est le pire, Buckle ? Mourir en même temps que les autres ? Ou être le dernier à survivre ? Mourir, ça me fait pas peur. Je veux seulement accomplir quelque chose avant. Vous devriez pouvoir accéder au sommet du centre opérationnel. Si Edwards est vivant, il doit être ici. Dans sa planque. Bien. Du coup, est-ce que c'est lui qui a marqué tous ces messages sur avec la peinture ? J'imagine que oui. Ça doit être lui. On pourrait se dire même que Isaac aurait pu finir comme lui. Va te faire foutre. Putain, ça tue rien ces armes de merde. Putain, mais c'est quoi ça? Elles viennent d'où ces armes, ce con là? J'ai joué club? Putain, la prochaine fois, il vient avec des vraies armes bruitiles. Putain, t'es pas là pour un atelier découverte là. Putain, il me revient plus. Ça, ah, c'est fini. Oui. Il me revient vraiment plus. Putain, qu'il m'insupporte. Il a toujours joué les victimes, là, ça devient vraiment pénible, quoi.
Non, je crois que c'était bon. Ok. Je voulais vérifier si j'avais assez de trucs, mais j'en sais rien en fait. Ouais, j'ai pas mal de soins. Putain, et niveau 1000 par contre, ça a pris une claque là. Et j'ai intérêt à faire gaffe, hein. Putain. C'est par là? Non, c'est pas par là. Eh ben j'y vais quand même. Allez, encore une merde à lire. Journal perso, lieutenant Edwards. Caporal Chuck Sekoski. N'aimez pas la country, m'a bien cassé les couilles. Un chic type, vraiment. Commandant Valérie Thiès. Trop sérieux. Trop sérieuse. Un joli petit cul. Pourquoi on n'a pas couché ensemble? Désolé de t'avoir tué. Lieutenant Sam Kettle, premier de la classe, le meilleur d'entre nous. On aurait pu être amis. Clé d'accès Edward. Ça se trouve, il va s'être donné la mort. Le temps qu'on arrive. Oh non. Putain, allez vous faire foutre. Putain, j'en ai marre. Il va y encore avoir une arène encore là, c'est bon. Putain. Putain, mais c'est tout ce qu'ils savent faire dans ce jeu de merde là, c'est nul, putain. Félicitations. Je suis là. C'est ironique, pas vrai? Je voulais vivre, et maintenant que je suis le dernier, je peux plus rien faire. Hein? Dans cette solitude, je comprends que Sam avait raison. Cric un pauvre type qui se fout des autres. Tiens, Sam. Si tu m'entends d'où tu es, c'est pour toi, vieux. Donc en fait, il était mort depuis tout ce temps, en fait. Si je comprends bien. Une vie seule est une vie qui n'en vaut pas la peine. D'accord. Vivre seul, apparemment, ça ne vaut pas le coup de la vivre, d'après lui. Ouais. D'accord, donc depuis tout ce temps, il était mort, quoi, en fait. Putain. Je croyais qu'en fait, il était vivant. Marc, si, il devait être vivant quand même, attends. Puisque justement, il nous parlait, il disait, ouais, vous êtes pas de la compagnie, ou... Enfin, je sais pas. C'est pas clair. Ce jeu est vraiment pas clair, c'est... Mais je pense que, ouais, non, c'était lui, là, il est mort. Mais... Circuit d'amélioration, pièces détachées, support médical. Bon, on récupère tout, on verra après. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des bombes sur. Mais je comprends à présent pourquoi nous devons tous mourir. Donc, si vous avez trouvé ça et que vous êtes toujours en vie, je peux enfin accomplir mon devoir. Ordinateur, fais sauter les dernières charges. Du temps pour vous démontrer.
Oh, fais chier là, connard. T'es même mort, il me casse les couilles. Gadget, t'arrives quasiment à la fin. Je t'avais dit que je jouerais avec toi même mort. Je t'avais dit que ton cadavre allait me servir. Poussez-moi, c'est moi. Edward, je suis un gros connard. Hein, culé. Viens, je vais prendre ta tête. Hop, je t'emmène avec moi. Bah, elle est où la tête? Oh putain, il a disparu ce bâtard. C'est par en haut, ouais. Je m'en rappelle plus. Je vais pas entendre une bestiole. Ça devait être rien. Par là, j'imagine. C'est la peine qu'ils apparaissent là, quoi. C'est un peu con. Je pense qu'on va pouvoir partir. N'empêche, c'était... J'ai rien contre 2-3 arènes comme ça, mais... Il y en avait trop. Il y avait trop d'ennemis. Si encore les armes à tuer au moins. J'adore cette arme de merde. Mais quelle arme de merde.
Ça tue, mais quand ça veut. C'est vraiment chiant, quoi. Putain, là, c'est la dèche. Les munitions, là, ça commence à être la dèche. Hein. Ça va que j'ai fait du stock, mais... Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, connard. Putain. Comment tu veux réagir aussi rapidement? Moi, je peux pas. Hein. Je joue pas à Fortnite, les gars. Je passe pas mes journées sur des jeux multi. Hein. Donc, j'ai des réflexes normaux. Objectif atteint. Alors, ça en valait la peine ? Ouais, Tucker avait fait quelques provisions. Bien. Je me dirige vers la poupe. Je vais essayer de trouver cette navette. Espérons qu'elle soit en état. Ça en valait la peine, ça en valait la peine. Là-dessus, ça se discute, hein. De toute façon, là, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et il vaut mieux. Pas trop envie de me casser le cul. À la poupe. Allez. Les signaux audibles indiquent la proximité des ressources. Ah. Fabriquer une dynabar tungstène à l'établi pour débloquer. Bloc moteur militaire. Attends, dès que je peux, je vais à l'établi parce que là j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs à enregistrer donc. Oh bordel! Il m'a suivi ce bâtard. Oh putain! Mais bouge, espèce de sac à merde! Ça te ferait mal au cul de bouger le fion là. Putain, c'est pas la première fois qu'il en affronte quoi. Putain, mais il est mou sur celui-là. Oh, ce qu'il est mou, Isaac. Putain, qu'est-ce qu'il est mou. J'ai trouvé le crozier. Oh. C'est une vraie poubelle. On dirait presque un agent ODF. Nous allons devoir le ramener à la baie de réparation sur le Roanoke. Ouais, ok. Je vais jeter un œil. Si j'arrive à construire une antenne, je la fixerai sur la coque.
fabriquer une antenne. Mais bon, moi je veux passer à l'établi. Donc t'es gentil, là, tu vas me foutre un établi. Choisissent bien leur moment pour me faire continuer là. Moi je pourrais sauvegarder. Mais... Putain c'est lourd. En train de bugger là-bas. Il y en a un qui bug. C'est qui? Ah, il est factorisé, impeccable. Ça m'énerve. C'est une catastrophe à viser sur ce jeu. C'est moi ou ils arrivent à l'infini? Ça me demandait hein. Mais ça fait le tour en fait. Je comprends rien. Ah, d'accord, là il y a l'ascenseur. Okay. C'est mal foutu. Le level designer, ça, faut foutre ça au chômage. Là. Le mec, c'est un branleur. Hein. Ouais, va te faire foutre. C'est quoi cet amateurisme là en level design là, putain.
Ah oui, ça mène nulle part. Donc en clair, ouais, faut descendre et en fait remonter quoi. Ça marcherait mieux d'avoir truc à couvrir les conteneurs. Et voilà, mais ça marche pas en même temps, ça marche pas. Ça leur ferait mal au cul de faire un truc qui marche. Mais non, ça leur ferait mal au cul là. Putain, ça... Putain. C'est vraiment d'une tristesse ce jeu, mais c'est dingue. J'adore quand je tape et que ça marche pas. Ça me fait plaisir. C'est un passage nul. Encore un. Ça commence à faire beaucoup de passages nuls sur un jeu. Ça commence à faire beaucoup. Trop d'action, ça c'est chiant. C'est chier. J'ai pas entendu, il y avait rien. Ah oui, d'accord, mais en plus, ça tue même pas. Magnifique, j'arrête. J'arrête pour ce soir. Vaut mieux que j'arrête parce que je vais monter dans les tons là, donc non. Je préfère m'arrêter là pour ce soir. C'est une catastrophe ce jeu, Putain. C'est une catastrophe. Déjà que je trouve que RE5 est beaucoup trop action, alors ça c'est encore pire. Putain, l'horreur, elle est nulle part l'horreur. Putain, il y a des bestioles partout. Qu'est-ce que tu veux foutre de l'horreur dans un jeu où t'as des bestioles toutes les 2 secondes? Putain. Bon allez, moi je vous laisse là. Hein. Allez, sur ce, bonne soirée, bonne nuit, puis à la prochaine. Allez. Hop.